Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Keep This Fire Burning. Alors, c'est une chorégraphie de M. Raymond Salerminged. Alors, c'est une danse qui a 32 temps, qu'on fait sur quatre murs de niveau débutant, intermédiaire. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tag, autrement dit, et il n'y a pas de restart non plus. Alors, on débute avec première partie et on débute avec le pied gauche. Donc, on fait un pas en avant, un. On lève le genou, ce qu'il appelle en anglais « hitch » pour le deuxième temps. Et rendisons votre côté en prenant un quart de tour à droite. On regarde vers l'arrière et on va pointer le pied gauche pour le quatrième temps. Donc, ça fait comme 1, 2, 3, 4. Rendisons, on dépose le gauche en prenant un quart de tour à gauche. On va de côté pied droit, quart de tour à gauche. Et rendisons, on croise en arrière avec le pied gauche, côté pied droit. Et on va en avant, pied gauche, en croisant légèrement en avant du pied droit. Alors, si on fait la première partie avec les comptes, 7, 8, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième partie, on est face au mur de gauche, en avant. Ça va être plus facile si je le fais face au mur avant. Alors, ce qu'on fait avec pied droit, on pointe de côté, on fait pointer ensemble et on va de côté pour le 1 et 2. Donc, ça fait ici pied droit. 1 et 2, 3, il y a une retenue. Et rendu ici, on ramène le droit ensemble, on fait et 4. Donc, si je fais seulement, ce n'est pas là. 7, 8, 1 et 2, 3 et 4. Rendu ici, on met le poids sur le pied droit. Donc, on met le, ce qu'on appelle pressure step. Donc, on met le poids sur le pied droit. On fait un toucher. Donc, on a pivoté un quart de tour à droite. Et on va faire un kick ball step. Donc, kick ball step. Alors, si on fait seulement la deuxième partie, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va reprendre la deuxième partie, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, si on fait les deux premières parties, pied gauche, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième partie avec le pied droit, on va croiser en arrière, on va faire un lock et on va pivoter un demi-tour à
droite. Donc, on fait un lock avec pied gauche, on pivote et on dépose le pied gauche. Donc, on pivote, on croise avec le pied droit, on pivote et le poids est sur le pied gauche à la fin du demi-tour. Et rendu ici, on avance le pied droit et on va pivoter un quart de tour à gauche, donc en avant, sur place. Bon, on laisse le poids principalement sur le pied droit. Et ici, on va pivoter deux fois quart de tour. Donc, on pivote quart de tour à droite et on pivote quart de tour à gauche. Donc, on revient à la même place finalement. Alors, rendu ici, on fait un pied marin, croise en arrière, assemblé, côté. Alors, ça complète la troisième partie. On va l'assier ensemble. Donc, on fait un lock et on pivote demi-tour à droite. 7, 8. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 6 pieds marins, 7 et 8. Alors, ça, on combine les trois premières parties. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Quatrième partie, la dernière partie, on débute avec le pied droit et on va croiser en avant du pied gauche. Donc, croise en avant, sur place, assemblé. Même chose, pied gauche. Donc, croise en avant, sur place, assemblé. Et rendu ici, on va en avant et on pivote un demi-tour à gauche. Donc, en avant, sur place. Alors, si on fait la quatrième partie, mais avec les comptes, le compte est un petit peu particulier. 7, 8, ça fait 1, 2 et 3, 4 et 5, 6. Et on termine avec un chassé en avant, pied droit, donc 7 et 8. Ça complète la quatrième partie. Donc, si je refais la quatrième partie, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Alors, on va essayer de faire les quatre parties pour être sûr que tout va bien. 7, 8, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds marins, 7 et 8. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Et on reprend la deuxième partie. Alors, donc, ça complète la danse. Il n'y a pas de transition, pas de tag et pas de restart, comme je disais au début. Alors, pour la finale, dans le fond, on va arriver sur le mur de gauche et on va faire, dans le fond, la quatrième partie. Donc, ça fait 1, 2 et 3, 4 et 5, 6. Mais rendu ici, on fait un quart de tour de plus vers la gauche. On fait côté, on vient croiser en arrière et je mets mes mains de chaque côté. Au niveau des mains, c'est une finale très personnelle. Donc, si je refais quatrième partie finale, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9. Alors, merci beaucoup et bonne danse! Hey guys, this dance is called Keep This Fire Burning. It's choreographed by Ramon Sarleminged. It's a 32 count, 4 wall, improver level line dance. So there's no tags and no restarts in this dance. So let's start with section 1. We start with the left foot and we do a step forward. So 1, you do a hitch with the right foot, 2, and then quarter turn to the right, you do a step on the side and you look behind and you touch with the left forward. So let's do only these steps with the counts. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Then you step down the left foot and you do a quarter turn to the left. You come back facing 12 o'clock. You do a step on the side with the right, but quarter turn to the left. And then you go behind, side, forward with the left foot, slightly crossing over the right. So let's do only section 1 with the counts. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Section 2, we're facing 9 o'clock. It will be easier for you guys if I do it facing 12 o'clock. So you start with the right foot and you point on the side. Then you bring the right together. You do a step on the side and you hold. So let's do only these steps with the counts. It's 1 and 2, 3. Then you bring the right foot together. And you do a step on the side with the left. So let's do only these steps with the counts. 7, 8,
One and two, three and four. You can also do a snake roll, but I'm not really good with that. Okay, so let's do only these steps again. Seven, eight. One and two, three and four. Then you do a pressure step with the right foot, so five. And as you bring the right foot together, you do a quarter turn to the right, so six. And you do a kickball step, seven and eight. So let's do section two with the count. Seven, eight. One and two, three and four, five, six, seven and eight. So let's do section one and section two with the count. Seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven and eight. One and two, three and four, five, six, seven and eight. Section three, we start with the right foot, and you lock behind the left, and you will do a half right turn pivot. So you lock, and you do a half right turn pivot, and you do a step with the left foot. So let's do only these steps, seven, eight. One, two, then you go forward with the right foot, and you do a quarter left turn pivot, four. So let's do only these steps, one, two, three, four. Then you do two more quarter turn pivots. So you pivot in place, quarter to the right, quarter to the left, keeping the weight on the right foot. And then you do a sailor step. So you go behind, together, and you go side with the right, left foot. Okay. So let's do only section three with the count. Seven, eight. One, two, three, four, five, six. Sailor step, seven and eight. So let's do the first three sections with the count. Seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. One and two, three and four, five, six, seven, and eight. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Section four, the last section, you start with the right foot and you cross over the left. So you cross, recover together, the same steps starting with the left. So you cross, recover together, and then you go forward with the right and you do a half left turn pivot. So you go forward and you recover on the left foot. So let's do only these steps with the counts. Seven, eight, one, two, and three, four, and five, six, and then you do a forward shuffle. So seven and eight. So let's do section four with the count. Seven, eight. One, two, and three, four, and five, six, seven, and eight. So we'll do the four sections just to be sure everything's all right. So we start with the left foot. Seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. One and two, three and four, five, six, seven and eight. One, two, three, four, five, six, seven and eight. One, two, and three, four, and five, six, seven and eight. And then you're back to section one on wall two. So like I said before, no tags, no restarts in this dance. So for the ending, you will do section four facing 9 o'clock. So you start section four, one, two, and three, four and five, six, and then you do a quarter turn to the left, you do a step on the side, you cross behind, and I personally put my arms each side, but with the arms it's very personal, okay? So let's do section four, the ending. Seven, eight, one, two, and three, four and five, six, seven, eight, and I put my arms each side. So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and be safe.